Dear friends, 2014 is shaping up to be a banner year for all Canadians. It marks the beginning of a series of festivities to celebrate the events leading up to the birth of Canada 150 years ago. And we must give credit where credit is due. Since it was on your own turf in lovely Charlottetown and here in Quebec City that serious talks about Confederation first got underway, it's only fitting that the festivities kick off in our respective cities as well. Starting this year and through 2017, Charlottetown and Quebec City will come together once again to celebrate the birth and growth of this great country. This is a unique opportunity to reaffirm our ties of friendship, tap into our rich past, and work together to build our future. During Fathers of the Confederation week in August, majestic tall ships will sail between our two ports. If you decide to follow in their wake for a visit in Quebec City, you'll be able to admire the monument erected in honor of the Fathers of the Confederation. 2014 will also be a year for new friendship as some of our best artists visit your fair city as we discover your leading creative talents in exchange. I am delighted to join with the people of Quebec City in wishing both our cities a marvelous 2014, a year of exchanges, sharing and celebration. Chers amis, l'année 2014 s'annonce mémorable pour tous les Canadiens. Elle marque en effet le début d'une série de célébrations qui nous permettront de souligner les événements ayant mené à la naissance du Canada il y a 150 ans. À tout Seigneur, tout honneur, puisque c'est chez vous, dans la belle ville de Charlottetown et chez nous, à Québec, que se sont amorcées sérieusement les discussions d'un projet de Confédération, c'est dans nos deux villes que la fête va commencer. À partir de cette année et jusqu'en 2017, Charlottetown et Québec seront à nouveau réunis pour célébrer ce pays qu'elles ont vu naître et grandir. C'est une occasion unique de réaffirmer nos liens d'amitié, faire revivre notre riche passé et mettre en commun nos projets d'avenir. Durant la semaine des pères de la Confédération, en nous de magnifiques voiliers navigueront entre nos deux villes. Si vous décidez de suivre leur sillage et de venir nous visiter, vous pourrez admirer le monument érigé à Québec en l'honneur des pères de la Confédération. 2014 nous promet aussi de belles rencontres, alors que quelques-uns de nos meilleurs artistes iront se produire chez vous et que vos meilleurs artistes nous feront découvrir leurs talents. C'est avec un grand plaisir que j'unis ma voix à celle de tous les citoyens de Québec pour souhaiter que 2014 soit pour nos deux villes une fantastique année d'échanges, de partage et de célébration.